Salut à tous, c'est Maconnor Minou, on se retrouve pour ce 28ème épisode sur Pokémon Cristal Bleu. Donc dans le dernier, on était arrivé ici et on nous avait demandé d'aller aider Luca. Alors, on va aller voir vite fait où est ce Luca. Alors j'avais pas vu, mais derrière cet arbre, il y avait un sbire Galaxy. Un deuxième, ok. Je ne me souviens même plus qu'est-ce qu'on avait comme Pokémon. Ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, ça fait 3 jours pour être exact. A savoir aussi que je m'excuse pour le dernier épisode, ce dernier épisode, et l'épisode aussi, je crois, 7 sur Éclat-Pourpre, où j'ai eu des petits problèmes de micro, et j'ai pas réussi à récupérer ça, donc le son est un petit peu dégueulasse. A partir de maintenant, ça devrait aller un peu mieux. J'ai changé de micro, tout va bien. Alors, un Shaglam, un Armulis, ok, et moi j'ai mon KFC, mon Pingu, qui sont un petit peu sous-level là. Alors déjà, on va faire une belle attaque vol sur l'insecte. Et puis ça c'est du normal. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Alors. Alors, je me suis fait la réflexion quand même que j'ai hâte de commencer d'autres let's play un petit peu plus corsés. Parce que même si je suis pas doué, il y a quand même une notion de... Ouais, avec la pourpre, je me fais pilonner, mais quelque chose de bien. Mais au moins, voilà, je suis content. Il y a quelque chose qui se passe dans les épisodes. Là du coup je joue simplement. J'ai conscience que pour vous c'est peut-être un petit peu lassant. Donc voilà, au début je me suis dit je vais corser un petit peu, pourquoi pas passer en Nuzlocke directement ou je sais pas quoi, mais en fait non, ça sert à rien. On a commencé la partie comme ça, on va la finir comme ça. Alors boum 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 boum. Là, je suis toujours à la recherche de jeux, même si pas Pokémon, hein, s'il y a des choses qui vous intéressent, balancez-moi vos avis, vos idées en commentaire. Je suis en phase de réflexion. Alors, Nosferalto, il va encaisser. Ok. Adieu Pingu. Il faut que j'ai fasse XP, hein. Je sais que c'est pas top, mais il faut que j'ai fasse XP un peu. C'est un petit moment que j'ai pas fait d'XP en dehors du jeu, du let's play. Et je le ferai sûrement à la fin de cet épisode, en fonction de comment on est dans l'histoire. Shaglam, oh mais ils me font chier, c'est toujours les mêmes Pokémon qu'ils ont. La Team Galaxy me blase. Mais vraiment.
C'est marrant les deux là, KFC et Lily's ont les deux mêmes loupettes devant. Ça frisouille. Alors, Shaglam KO, ok. C'est bon, y'a tout. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Encore du sbire, qu'est-ce que j'ai. Alors, en objet, nous avons normalement des petits rappels. Je n'ai pas de rappel. C'est sale, ça, c'est mauvais. Nul. Bon, c'est pas grave, on se fera Sorpingu. Oh putain, des doubles encore. KFC Nala. C'est marrant, j'ai des tout petits nombres en fait. Déjà Pingu, je trouvais que c'était assez raccourci comparé à Moufette et Charmillon. Ouais, Fatal Foudre, c'est la base. C'est super efficace, bah c'est cool. 29, ok, ça pousse. Mais c'est Shaglam, ils me ressortent par les trous de nez. Deux Shaglam en plus. Nul. Charge, n'importe quoi. C'est tout. Excusez-moi, j'étais en train de bailler. Ah putain, je suis un peu déçu, je pensais qu'aéropiqué ferait un peu plus mal que ça. On devrait pas tarder à évoluer non plus lui. Le petit combo griffe. Ok, bon ça c'est fait. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Mars, ce visage, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je parle des éoliennes. J'ai eu pas mal d'ennuis après cet incident. Pourquoi tu fais cette tête? Tu ne te souviens pas? Peu importe, je vais te rappeler. Je suis Mars, un des commandeurs de la... Team Rex Galaxy, un des commandants de la Team Galaxy. Ouais. Alors vous faites quoi? Un joli petit coup qui vient à la rescousse. Ah oui, c'est vrai que je suis une fille. C'est vrai, c'est vrai. La belle petite Minette qui se bat contre Commandant Mars. Ça va être cheaté ou pas? Ouh, ça devient vraiment costaud là. Je fais un peu pitié moi avec tout.
Ouais, je vais essayer de taper quand même le Nosferatu, même si c'est KFC, plutôt que de soigner, puisque je pense pas avoir besoin de KFC pour ces autres Pokémon. Je pense pas qu'il est de type insecte. Donc on va voir. On va tenter un aéropic, hein, histoire de le placer. Toxique. Ok, bon, ça va aller plus rapidement que je ne le pensais. Il souffre du poison. À la prochaine attaque, il crève. Je retente quand même l'aéropiqué. On met le petit psy. Oui, bah bon, voilà, c'est bon. Alors, bon. Nala est confus. Putain, sur ça, il est chiant quand même, le Nosferatu. Généralement, j'arrive à tabler quand même pour m'en sortir. Mais là, je me blesse à tous les coups. Mon dieu, il m'énerve lui. Putain, Nala, réveille-toi. Allez, s'il te plaît. Ça s'abuse, j'ai encore pas passé une attaque là. Sur toutes mes confusions. Oh là 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 là. J'aimerais bien juste déjà le burn un petit coup. Ça coule. J'y ai cru. Vous vous rendez compte, c'est la première fois que ça m'arrive ça. D'habitude, j'ai toujours au moins la première ou au moins une attaque qui flanche, quoi. Enfin, qui flanche, qui passe. Il va me niquer tous mes Pokémon au calme. Qu'est-ce que c'est que ça, sérieux, quoi. Allez, passe la déflagration, s'il te plaît. Allez, une fois.
Il va falloir que j'aille acheter un peu plus de soins quand même. Ça part assez vite. Eh ben, c'était pas évident, hein. On va mettre Nala, comme ça on va, voilà. Archéomir. Bon, je fais la boulette là. Ah là là, Archéomir, mais je t'aime pas. Allez, passe une dernière attaque avant de partir, s'il te plaît. Ok. Voilà, de toute façon, ce combat dès le début m'a blasé, donc. Allez Lily, tout se joue sur toi. J'ai plus de rappel, donc on est mal. On aura fait 20 minutes d'épisode pour 3 combats. C'est génial. Cette attaque ne sert à rien. Et moi je la lance parce que j'appuie comme un bourrin sur ma touche A. Intelligent. Je me demande c'est quoi le troisième. Mon dieu. Bon, de toute façon, voilà, une chose est claire. La chose est vraiment claire, c'est que j'étais pas du tout au niveau. Regardez ce Pokémon, ils sont presque 40, moi je suis tout juste 30. Donc, c'est pas génial. On va continuer le Balgren et ça va durer une éternité. Enfin, peut-être pas, vu que je suis confus, ça va peut-être aller plus vite que prévu. Oh là là, là là, oh là là.
Je suis partagé, voilà, entre deux choses. D'un côté, sur Éclat Pourpre, le jeu où j'ai limite envie d'arrêter à chaque épisode parce qu'il est trop balèze, mais bien. Et d'un autre côté, cet épisode, enfin ce let's play, Crystal Bleu, où à chaque épisode je me dis, il est nul. Le jeu est nul, et en plus, voilà, le jeu est nul. Il a perdu son intérêt avec un soi-disant hack. Donc voilà, il faudrait que j'arrive à trouver le juste milieu. Allez, achève-moi, qu'on en finisse. Lily est KO, enfin. Oh putain, je donne beaucoup d'argent là. Ouh là là. Bon, re à tous, j'en ai profité pour faire une petite ellipse et on se retrouve tout de suite à côté de Luca. J'ai fait cette petite ellipse pour pouvoir EP mes Pokémon. J'ai EP, je les ai tous EP à peu près au niveau 35. Sauf, voilà, Etoraptor. Du coup, oui, je vous annonce, KFC a évolué en Etoraptor. Senala, qui a un ou deux niveaux en plus, mais bon, ça c'est pas méchant. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller rattaquer. J'ai aussi acheté quelques potions. Voilà, et j'ai fait tout ça, j'ai fait cette ellipse parce que je me suis dit que c'était nul de finir cet épisode sur une défaite. Donc j'espère que là on va pas en fait se faire niquer encore, ce serait con. Mais bon, on y va, on va voir ce que ça donne. C'est parti! Voilà, j'ai fait niveau 35 parce que j'ai quand même deux fois plus de Pokémon, donc j'allais pas tous les mettre niveau 40 pour régaler. Ce qui me fait le plus chier, c'est vraiment ce Nosferalto. Donc on va essayer de le bourriner. Je vais attaquer direct en espérant qu'il ne me mette pas confus rapidement. Que je puisse réussir mes Fatal Foudre. Ah cool, one shot, ça me plaît. Du coup, sachant que c'est lui qui m'avait niqué la plupart de mes Pokémon tout à l'heure, je pense que là on est un petit peu plus safe. Chaffreux. On va mettre KFC puisqu'il a appris une attaque combat. C'est close combat. Il a appris ça en évoluant. Ou un peu avant d'évoluer, je ne sais plus. On va voir ce que ça donne. Oh, mais ce Pokémon est vraiment laid. Alors, qu'est-ce que ça va lui faire comme dégâts? Ça devrait taper bien. J'allais dire, je vais faire une vive attaque, mais je crois que j'ai remplacé vive attaque pour pouvoir avoir close combat. Ouh, ça fait mal sa tranche là. On dirait que ses moustaches là, Chaffreux, il les a cramées. C'est bizarre quoi. Ces Pokémon sont bizarres. Allez, bye bye Chaffreux. Suivant. Ah, l'Archéomir, on va attaquer direct avec Merguez. J'ai vu, là je viens de voir Alakazam. Et vous savez, avec Soleil et Lune, il y a plusieurs Pokémon qui ont des formes alternatives comme Goupix ou Sablero. Et il y a Pokémon Trash là sur Facebook, sur la page Pokémon Trash, qui a balancé quelques fanarts et dont un putain de Alakazam combat, forme Aloha combat. Franchement, ça déchire. Les mecs qui font des fanarts, vous êtes des fous. Vous êtes des gros malades. Vous faites des trucs, mais qui sont tellement à des années-lumière
des années-lumière de ce que fait Pokémon, quoi. Vous êtes vraiment... Moi, je kiffe à chaque fois. Là, la Kazam. Je vais essayer de vous le mettre là au montage. Mais il était épique. Épique. Allez, Archéomir. Ah, oh, j'ai cru que j'allais dire bye bye. Bah, j'ai bien fait de pas lui dire bye bye, puisqu'il est encore là. Allez, Merguez, c'est bien. Et voilà, j'ai encore perdu. D'abord les éoliennes, et maintenant le lac Vérité. Je suis quand même le commandé Mars, quoi, zut. Calme-toi, Mars, calme-toi. Le Pokémon du lac a été transporté au QG. Je m'en fiche, la mission est un succès total. Bon, je pense qu'on va se retrouver au QG. Créfollet. Ok, ok, ok. La Team Galaxy va pouvoir mettre son plan à exécution. Avec les trois petits farfadets pourris. Je vois, il est arrivé la même chose au lac Courage. Un autre Pokémon légendaire a été capturé. Bah oui, si t'as pas compris qu'il y avait un Pokémon légendaire par lac. Bon, et bah écoutez. Ce qu'on fait, je vais m'envoler dans un centre Pokémon. Puisque j'aime bien finir mes épisodes dans un centre Pokémon. On va pas se prendre la tête, on va aller directement à Félicité. Je vais aller me soigner. Ok, bon, voilà, c'est cool. On a quand même réussi à le vaincre. C'est super. Donc voilà, moi ce que je vous dis, c'est qu'on se dit à un prochain épisode. Donc dans le prochain épisode, qui sera l'épisode 29, on s'occupera encore, enfin on ira voir un petit peu ce qui se passe avec le QG, la team Galaxy, tout ça. On va voir, à mon avis, ça va être cool. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Makonyor Minou. Bye bye.